Il y a du monde au balcon. Oui. Coucou. Je ne vous redis pas bonsoir. Je l'ai dit tout à l'heure. Français, Françaises, citoyens, citoyens. Excusez-moi, ça c'est le pupitre qui m'a enduit d'erreur, comme disait l'autre. Non. Mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation pour honorer de votre présence ce premier gala de la presse organisé pour les 20 ans de la radio Contact FM 99.3. Dans quelques instants s'ouvrira devant vous le rideau de scène. Je vous demande de réserver un accueil chaleureux à celles et ceux qui ont accepté de monter sur les planches le temps de deux représentations. Journalistes de la presse écrite et radiophonique, correspondants de presse, voix de la radio, bénévoles sans qui la radio n'existerait pas, tous ont relevé le défi pour mettre pour la toute première fois les habits d'artistes. Dans la pure tradition du gala de l'Union des artistes qui fleurissait il y a quelques années sur les écrans de notre télé, c'est à un gala de la presse bien particulier auquel vous allez assister. Le cabaret chansonnier s'est arrêté au récollé. Eh bien oui, les hauts et les bas de la politique locale n'ont pas échappé à la plume des auteurs. Vous l'avez toutes et tous déjà compris, la soirée sera placée sous le signe de l'humour et de la dérision. Considérant que la culture, au même titre que l'éducation, doit être gratuite, nous avons décidé de ne pas fixer un prix d'entrée. À chacun d'apprécier, en fonction de ses moyens, le prix qu'il accorde à cette rencontre lors de la sortie d'un autre chapeau. Public chéri, à l'instar de Alice Sapritch, je vous le dirai souvent ce soir, public chéri, vous verrez toute la nuit. Je déclare ouvert le premier gala de la presse et vous souhaite, au nom de toute la troupe, de passer une excellente soirée organisée par Contact FM 99.3, la radio que vous aimez passionnément. Et bientôt, à la folie! C'est cette musique des uns et des autres, du Lelouch, pour commencer. Les oiseaux du paradis. La radio Contact FM n'est pas une étrangère pour eux. Depuis 15 ans, ils participent à une émission au titre partageur et humaniste, comme tout le monde. Pour vous et pour nous, ce soir, ils ont accepté de monter pour la toute première fois sur scène. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un chaleureux accueil aux oiseaux du paradis qui se sont envolés du foyer Prime Vert pour venir jusqu'à vous et vous interprétez deux airs incontournables du répertoire de la chanson française. Nous allons pouvoir applaudir Franck, Michel, Didier, Monique, Marilyn, Sandrine, Claude, les chanteurs, Philippe au clavier et à la guitare, Michael à la batterie, Fanny, correspondante au petit courrier et employée aux oiseaux, à la guitare, Gérard à l'accordéon, éducateur au foyer Prime Vert. Un petit page de pub, là. À l'entracte, vous pourrez acquérir. Ils viennent de sortir un CD, oui, 11 titres pour la somme modique de 5 euros. Voilà. Nous pouvons applaudir les oiseaux du paradis. Merci beaucoup.
applaudissements aux Oiseaux du Paradis, qui, je le répète, viennent de sortir donc un CD, 11 titres, après de longs mois, il y a beaucoup de longs de travail. Et on remercie aussi, bien sûr, Gérard, l'animateur musical, donc, Foyer Primevert. Merci à eux.